Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des pancakes. Pour cela, vous allez avoir besoin d'une pâte à crêpes, exactement pareil qu'une pâte à crêpes. Alors une pâte à crêpes, donc c'est environ pour 10 personnes, 8 à 10 personnes, 250 g de farine, 4 œufs, 1 demi-litre de lait, un sachet de sucre vanillé et une cuillère, un petit peu de rhum pour aromatiser votre crêpe ou votre pancake. Alors donc, après avoir huilé et chauffé votre poêle, donc moi je fais sur poêle, comme vous voyez, donc c'est une poêle exprès. Hein. Après avoir chauffé la poêle, vous allez prendre une louche, votre pâte, avec la quantité de pâte que vous désirez, puis en mettre au milieu, bien au milieu, sans toucher à la poêle, pour que le pancake se fasse et il va se faire tout seul, comme ceci. Voilà, donc là c'est parfait, il est bien rond. Donc maintenant on va le laisser cuire, on va le laisser gonfler. Il va gonfler au fur et à mesure. Après, vous allez avoir besoin d'un autre instrument qui est donc la spatule, comme ceci. Spatule pour retourner le pancake. Donc on va le laisser chauffer, ça prend un peu de temps. On se retrouve après. Voilà, alors il y a une petite indication pour savoir quand on peut le retourner. C'est quand sur le dessus, il n'y a plus de pâte liquide. Comme vous voyez, donc là, il n'y a plus de pâte liquide, donc je peux le retourner. S'il y a encore de la pâte liquide, quand on va le retourner, ça va éclabousser partout et ça ne va pas faire un joli pancake. Alors, avec la spatule, vous passez en dessous, hop, et vous le retournez. Voilà, donc là, il est magnifique. Voilà, donc là, c'est très bien comme ça. Il boule un peu. Et maintenant, vous le laissez. Donc là, ça va durer moins longtemps, hein, la cuisson. Après, vous pouvez regarder. Alors, les pancakes, c'est très bien pour le petit déjeuner, pour faire plaisir à votre famille. Vous pouvez en manger avec de la confiture ou de la pâte à tartiner au chocolat. Ça ira très bien. Voilà, donc là, là c'est bon. Le pancake est prêt. Bon appétit !